Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire la famille. Mais avant de regarder cette vidéo, vous devriez regarder la vidéo des adjectifs. Il y a aussi des fiches pédagogiques dans la description de la vidéo. Je vous présente Jean-David. Bonjour! 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 Je m'appelle Jean-David, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants et une femme. Mon fils Joshua. Bonjour. T'as quel âge? Bonjour. 5 ans. Et moi j'ai 2 ans et demi. Tu t'appelles comment? Sophia. Et Joshua, comment tu caractériserais ta sœur? Deux adjectifs. Étonnante. Pas mal, oui, très juste. Et quoi d'autre? Elle te fait rire? Elle est drôle? Oui. Elle est drôle. D'accord. Et doudou aussi. Et Joshua, il est très intelligent et très gentil. Et Sophia, comment elle s'appelle maman? Elle s'appelle la Lassie. Ah, et elle est quoi? Elle est belle? Oui, elle est belle. Elle est intelligente? Oui. Ah bon, parfait. Bonne journée. Jean-David, c'est mon cousin. Nous ne ressemblons pas, mais je l'adore. Bonjour, je m'appelle Jordan et nous sommes 5 dans ma famille. J'ai un père qui s'appelle Jacques. Il est grand, il est beau et il est sportif. J'ai une mère, elle s'appelle Solange. Elle est belle, elle est gentille et elle est infirmière. J'ai un grand frère aussi. Il est intelligent et intellectuel et il est aussi sportif. Il aime jouer au foot. J'ai une petite sœur. Elle s'appelle Esther, elle est timide, elle est calme, elle est toujours serrée, mais elle n'est pas ennuyée. Merci. Salut mes amis, il y a 5 membres de ma famille, mes parents, mes deux frères aînés et moi. Mon père, il a 50 ans, il aime le cricket. Ma mère, elle a 45 ans, elle aime le cinéma. Mes frères travaillent dur, ils sont très actifs et intelligents. J'ai 26 ans et j'aime la danse, la musique. Merci. Je m'appelle Nadiejda. En russe, ça veut dire espérance. Je viens de la Russie. Ici, en France, je suis réfugiée politique. Je vis à Paris. J'ai 4 enfants. Mon fils aîné vit à Saint-Pétersbourg. Il a 28 ans. Mon deuxième fils, il a 19 ans. Il est étudiant de l'université de la Sorbonne. Mon troisième fils, il a 15 ans. Il est étudiant du collège. Ma fille, elle a 12 ans. Elle est élève du collège. Nadeja est la protagoniste dans un documentaire sur YouTube qui s'appelle City 40. Je vais mettre le lien du documentaire dans la description de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans, j'ai une petite famille. Ma mère s'appelle Mariam, elle a 53 ans, elle est femme au foyer, elle est gentille et calme. Et mon père s'appelle Reza, il a 60 ans, il est gentil, travailleux et courageux. Et à la fin, ma soeur s'appelle Zahra, elle a 25 ans, elle est comptable, elle est intelligente, ambitieuse et un peu têtue. Notre famille est composée de 8, mon père, ma mère et moi, qui est 5 soeurs, les 4 soeurs. Sont morts déjà. Aussi, mon père est déjà est mort. Maintenant, nous sommes 3. Moi, ma soeur et ma mère. Et je vis avec ma mère. Nous sommes 2 seulement. Mais ma soeur est en Europe. Ok. Alors, mon père s'appelle Jean-Marie. Il a 65 ans. Il a les cheveux blancs. Et il va prendre sa retraite. Ma mère s'appelle Caroline. Elle a 63 ans. Elle a les cheveux châtains.
elle travaille encore. Ma sœur s'appelle Pauline, elle a 6 ans de plus que moi, elle a 29 ans. Elle travaille dans les ressources humaines. Moi, je m'appelle Pierre, je suis du coup le petit dans la famille, le Benjamin. Et j'ai 23 ans maintenant. Et je fais des stages, je suis encore en études. Et après, ça c'est Claire-Anne qui m'interviewe, qui est ma cousine, qui habite aux États-Unis. C'est la famille américaine. J'ai une partie de ma famille qui habite aux États-Unis, notamment Claire-Anne. Avant, Raphaël, mais il a déménagé, qui est aussi un autre de mes cousins. Et Marie-Hélène, qui est leur mère et qui est la sœur de mon père. Pierre, c'est mon cousin aussi. Nous nous ressemblons un peu. Nous avons les yeux bleus et les cheveux bruns. Bonjour tout le monde, je suis Suleyman. Je vais présenter ma famille. J'ai deux garçons, deux frères, qui s'appellent Ahmed et Mohamed, et une fille qui s'appelle Fatima. Tous les trois sont mariés. Au revoir, à plus et à la prochaine. And please subscribe. It helps me a lot. Merci.